Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui retour vers le futur. Je vous l'avais promis, le voici, le Doc Brown, version 1985. Donc c'est la version Ultima Doc Brown. Je suis vraiment content de l'avoir. Alors cette figurine, elle est sortie il y a déjà quelques mois. Je n'étais pas pressé pour me la procurer parce que vous savez que je fais pas mal de collections, pas mal de licences. Et ben je suis content parce que je l'ai vue en boutique et je me la suis prise. Donc il s'agit de la version Hazmat Suite, donc la version protection où il est avec sa tenue anti-radiation. On voit les photos à l'arrière. Ben écoutez, on va l'ouvrir et je vais vous faire découvrir cette figurine tout de suite. C'est parti. Allez, on découvre la boîte ensemble. Donc la boîte est super jolie, j'aime bien. Je pense que je vais l'exposer avec la boîte. Donc Ultimate Dog Brown 1985. Donc il s'agit donc de la marque NECA. Donc c'est représenté comme une petite valise, en fait, comme ça, comme la valise qu'il a dans le film. C'est pour le 35e anniversaire donc de Retour vers le futur, voilà, pour l'anniversaire de Retour vers le futur. Sur la tranche, on a toujours le même dessin, on a toujours le même logo, donc avec la DeLorean, voilà, c'est la version Hazmat Suite, donc je l'ai dit tout à l'heure. Et à l'arrière, donc on a la figurine, donc avec ses différents accessoires. Donc il y a pas mal d'accessoires. On va regarder le HS, on va les comparer avec les autres figurines, parce que j'ai encore les deux autres figurines du Doc. Donc on va voir si c'est les mêmes ou s'il y a des différences. Mais je pense qu'il y a quand même des différences. Ben écoutez les amis, on va l'ouvrir. Donc ça s'ouvre comme ceci, voilà, sur un espèce de scratch. Donc on voit le Doc avec son air ahuri et la figurine, super. Là j'ai un petit peu de lumière, voilà, super sympa avec une tête supplémentaire. On a des bras alternatifs, donc ça, on va regarder ensemble. Des mains de rechange, voilà, il y a des accessoires. Ben écoutez, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, ouverture de la boîte délicatement vers le bas. Je vais faire attention de ne pas me blesser. Hop, voilà. Je suis vraiment impatient de la découvrir. Ça fait longtemps que je la voulais, celle-là. Ok, donc on a toujours un petit fond qui est proposé, voilà, avec la DeLorean. Bon, moi personnellement, je ne vais pas l'exposer comme ceci. Là, ça, c'est quand il la sort du camion, donc le voilà. Donc la DeLorean, superbe. Et enfin, la figurine, la voici, la voilà, super complète, super complète. Mais écoutez, je vais tout ouvrir hein, parce qu'il y a des attaches à l'arrière et on va regarder les accessoires en détail. Allez, c'est parti. Ok, donc on va regarder les accessoires qui nous sont proposés dans cette version du Doc. Alors on a une espèce de support à papier, voilà, pour prendre ses notes, assez stylé, assez cool, voilà, donc avec des espèces de petits boîtiers électroniques. On a également un espèce de petit presse-papier, c'est assez petit, donc ça c'est pour lui mettre sur la poche, je pense. Hein, on voit même le logo, c'est quoi comme logo? Ah, c'est marrant ça, on dirait E.T. Ouais, on dirait E.T. Ouais, c'est ça. C'est oh purée, c'est fou ça. C'est la scène donc du film E.T. Incroyable. Donc le clin d'œil, super. Donc le petit presse-papier. On a également deux bras de rechange, donc deux bras alternatifs avec des manches longues et les gants anti-radiation. Donc on va essayer tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Il a la télécommande, donc ça j'aime bien. La télécommande, super stylée, vachement bien détaillée. J'aime bien les détails, c'est super bien fait. Donc ça c'est la télécommande donc de la DeLorean avec les joysticks. Ouais, c'est cool. Donc la télécommande. Il a un revolver. Voilà. Assez stylé également. C'est propre au niveau de la peinture. Tout ça, c'est super bien fait. Au niveau des détails, j'aime bien. Bon, rien n'est articulé, bien évidemment. Il a donc deux mains de rechange. Deux mains donc fermées donc, pour tenir les accessoires. Il a également une main de rechange, c'est une main gantée. Voilà, peut-être pour tenir le revolver ou autre, on va voir ça tout à l'heure. Et enfin, une tête supplémentaire, donc un sculpte de rechange, avec son air un petit peu ébahi comme ça, son petit sourire dans le coin. J'aime beaucoup le paint hein, chez NECA, c'est toujours très propre. Il y a rien qui dégueule, c'est super bien fait. Donc on va passer tout de suite à la figurine, on va regarder un petit peu on va comparer les visages. C'est parti. Allez, la figurine, la voici. Ouais, il est trop beau. Franchement, il est super classe. En plus, il a encore des accessoires au niveau de sa ceinture. Vous voyez, il a encore tous ses outils. Alors, est-ce qu'on peut retirer les outils? Je ne pense pas. Attendez, je vais regarder. Non, non, c'est collé. On ne peut pas retirer les outils. En tout cas, la petite sacoche en imitation cuir, c'est vraiment super bien fait. J'aime bien.
Voilà, il a pas mal d'accessoires, il a encore une espèce de presse-papier au niveau de ses poches. Il a également son minuteur. Donc ça, c'est génial. Alors, le visage du doc, donc là, il a un air un peu plus sérieux, un peu plus strict, on va dire ça comme ça. On va comparer les deux HS. Je sais pas qu'est-ce que... Je pense que je vais opter plutôt pour ce HS-là. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, il a sa montre. Voilà, il a encore... Effectivement, il a encore sa petite poche là. Alors, on va regarder... Au niveau de la tenue, donc toujours avec le symbole d'anti-radiation, donc la fameuse tenue, voilà la fameuse hazmat, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, de tenue de protection. Hein. Les chaussures, je vous les montre. Les articulations, ça va, c'est fluide. Est-ce qu'on peut lever les épaules? On peut lever les épaules, ça va. Franchement, les cailles se sont améliorées, hein, au niveau des articulations. On peut plier les coudes, ça va. C'est souple, c'est un petit peu mou à ce niveau-là. On peut écarter les jambes, d'accord. Est-ce qu'il y a une articulation ou double articulation? Non, articulation simple au niveau des genoux, ok. Articulation au niveau des chevilles, ouais, ça va. On peut aller assez loin au niveau des chevilles et ils sont même allés jusqu'à faire l'imitation d'un pantalon. Bon, ça va pas jusqu'au bout, hein. C'est juste un petit morceau, mais voilà, ils ont fait. C'est sympa de l'avoir fait. De l'avoir mis, donc une imitation pantalon. Ouais, c'est cool. Franchement, il est classe. Hein. On peut pas twister, ou bien, non, on peut pas twister de gauche à droite, d'accord. On voit pas trop la démarcation parce que souvent, ce que je reproche dans les figurines NECA, c'est ça. C'est l'espèce de slip là. Hein. Ça fait un petit peu moche. Ça rétrécit un petit peu la figurine. Mais là, comme c'est du blanc, ça se voit pas trop. Ben, écoutez, les amis, je vais lui donner des poses. On va lui donner des accessoires et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc je lui ai changé le visage alternatif, donc je lui ai mis le HS avec son petit sourire en coin. Donc je me suis pas embêté, hein. J'ai pris la pose donc, qui était proposée donc sur la boîte, donc à l'arrière de la boîte, voilà, avec son espèce de sous-main donc sous le bras. Je vais vous la faire tourner rapidement. Donc on va tester un petit peu la stabilité. Donc ça tient bien, ça va. Il faut jouer un petit peu au niveau des articulations. Donc voilà, donc ça c'est une première pose à pouvoir donner à la figurine. On va lui changer de pose, on va regarder un petit peu ce que ça donne avec la télécommande et avec les bras alternatifs. Allez, je vous reprends tout de suite. Une petite pause pour vous montrer les amis, donc j'ai retiré la ceinture. Donc pour retirer la ceinture, il faut tout simplement donc retirer les bras et la tête, voilà, pour pouvoir lui retirer la petite ceinture. Allez, je vais lui donner une pause et on va voir ce que ça donne sans la ceinture. Voilà, donc je lui ai donné donc la pose donc, qui est également proposée donc, à l'arrière de la boîte. Donc c'est la pose où il se fait attraper par les terroristes. Donc je crois qu'il leur a volé du plutonium, hein, si je me souviens bien. Et voyez, j'ai mis l'espèce de petit presse-papier. Donc vous pouvez le fixer au niveau de sa poche. Donc il y a une fente pour pouvoir le placer. La main supplémentaire également donc, pour tenir le flingue. Donc c'est pour pouvoir lui donner cette pose. Je vais vous le faire tourner. Donc voilà, le doc, donc dans Retour vers le futur 1, voilà, qui se fait attraper donc par les terroristes. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Moi, après, une figurine comme ça serait dommage de ne pas l'exposer donc avec sa ceinture, avec les différents accessoires. Je vais lui donner une dernière pause, les amis. On va lui remettre sa ceinture et je vais lui mettre la télécommande avec Marty. Et on va terminer par une conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai essayé tant bien que mal donc, de donner une pose donc du doc avec Marty. J'ai beaucoup de mal à lui faire tenir le doc, son espèce de télécommande. Il n'y a pas de système pour pouvoir le bloquer. Donc voilà, je vais vous les faire tourner tout doucement en espérant que rien ne se casse la figure. Pareil au niveau de la caméra de Marty, c'est pas évident hein, pour pouvoir les faire tenir. En plus, moi j'avais cassé l'espèce de sangle de la caméra. C'est assez fragile. Hein. Les accessoires, faut faire attention. Surtout voilà le. Vous voyez, j'ai mis les revolvers à l'arrière, donc je lui ai remis sa ceinture. Voilà, donc pose mythique donc de ce film culte. Bah écoutez les amis, je vous propose tout de suite, on va passer à la petite conclusion et on va voir un petit peu les points forts et les points faibles. Allez, c'est parti pour la conclusion. Ok, donc on va passer à la conclusion donc de cette figurine du Doc Brown, donc Ultimate Doc Brown avec la version, donc c'est la version Asmat Suite, donc je l'ai dit. Donc ben, écoutez, moi je suis content, c'est une belle figurine. Je suis surtout content par rapport aux accessoires. On est vraiment gâté au niveau des accessoires.
chez NECA. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Au niveau tarif, c'est une figurine qui coûte dans les 40 euros. Voilà, 35 euros, 40 euros, voire 45 euros. 45 euros, je trouve que c'est un petit peu cher. 40 euros, c'est le prix pour cette figurine. J'ai été agréablement surpris au niveau des articulations. Donc au niveau de la fluidité des articulations, NECA nous avait habitués dans le passé à avoir des articulations un petit peu rigides. Là, ça va. Les articulations sont assez souples. Je n'ai pas rencontré de difficultés pour retirer les bras de rechange. Par contre, faites attention quand vous retirez la ceinture, même si c'est du plastique souple, à force de s'amuser à la retirer, à l'enlever, vous risquez quand même de la casser. Les accessoires, faites gaffe, c'est assez fragile, hein. Je pense notamment à l'espèce de petite télécommande. J'ai déjà failli bousiller les espèces de joystick, vous voyez, en pressant dessus. Donc ça, faire super gaffe au niveau de la fragilité. Sinon, dans l'ensemble, c'est une super figurine. Je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Retour vers le futur. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et en attendant, portez-vous bien. Allez, bisous, ciao ciao.